Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur le TTS et l'objectif, ça va être quoi? Comme tout ce que vous avez vu sur YouTube d'ailleurs, on va ouvrir 22 petits packs alpha pour vous présenter un petit peu ce que c'est. Donc d'après ce que j'ai compris, la nouvelle mise à jour, donc la continuité de l'Operation Hills, sortira le 6 juin. Si j'ai bien compris et que je ne me suis pas trompé, hein, parce que je connais des petits YouTubeurs, enfin je le dis comme ça, hein, qui ont balancé des infos dans le but d'aider et de renseigner un petit peu les gens autour de lui, qui s'est un peu planté sur la date et qui s'est fait casser un genou. Je crois qu'ils lui ont arraché la rotule. Après, je suis pas exactement sûr, mais il a eu mal aux dents dans les commentaires. Donc, on va ouvrir ces 22 petits packs alpha. C'est quoi? Donc, lors de la mise à jour, vous aurez enfin des récompenses qui vont valoriser votre temps de jeu sur R6. C'est-à-dire que quand vous finirez un niveau, ou quand vous finirez une partie, vous aurez une probabilité d'avoir des packs alpha. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe. Non, peut-être pas multiplayer, non. Moi, je voulais juste ouvrir des petites boîtes, là. Donc, sous quelle forme ça se présente? En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme sur CSGO, les skins qu'on peut avoir. Sauf que cette fois-ci, vous voyez, il faut ouvrir des petits packs alpha. Et moi, j'en ai 22. Et là, j'ai 50% de chance de... Chance, meter by completing matches. Each victoire grants you a loot roll. The higher the chance meter, the more likely you are to earn alpha pack. Wow! Donc là, en gros, quand je fais une partie, à force de jouer et tout, quand je fais une partie, ça augmente mon compteur de chance d'avoir un alpha pack. Et en gros, bah, quand t'arrives à 100%, t'as un alpha pack. C'est bien. L'initiative est noble, Ubisoft. Maintenant, à voir si on a des skins pourris ou pas. Allez, je vais ouvrir mon premier pack. Ouais. Ok. Bien, alright, c'est pas beau. Un autre alpha pack. Waouh, c'est pas beau. Un autre. Oh, j'ai eu un rare. Waouh, mais je l'ai déjà sur mon compte principal. Ah, c'est pas beau, n'en parlons pas, allez, c'est parti. Ah, ça, c'est sympa que tu puisses gagner des shams. Donc, en fait, j'ai oublié de vous expliquer. Également, dans les alpha packs, la petite nouveauté, c'est que vous ne débloquerez plus un skin universel d'armes. Vous débloquez des skins d'armes, à proprement dit. Donc, ce jeu, par exemple, là, j'ai eu un skin pour la Hog. Elle est exclusive à la Hog, c'est pas pour n'importe quelle arme. Bon, motorcycle helmet. Par contre, quand on a les graphismes en low, c'est vraiment pas joli. Ou je crois que je l'ai en médium. Je suis même pas sûr de ma qualité graphique, vous vous rendez compte? Glaze, le petit bonnet de péruvien dégueulasse là. Allez, suivant. Ça j'aime bien, c'est la première partie du... C'est la première partie du nouvel uniforme de Jigger. Ouais, coffee cup, super. Qui irait accrocher un truc comme ça à ses armes? Enfin, moi je dis ça. Je suis personne, non. J'ai vraiment pas de chance. Oh, ça y est. Yes. Donc voilà, ça j'ai eu un Epic Chibi Mountain Chibi. Mountain Chibi. Donc j'ai eu un super charme à l'effigie de montagne. Ça c'est cool. Je crois que c'est les charmes sont universels. Putain, mais sérieux, arrêtez, c'est moche. C'est pas beau, moi j'aime pas. Un bleu. Bacon, yeah. Ça, je le voulais, celui-là. Bacon, il est stylé. Le casque est moche. Déjà eu, allez, on enchaîne et puis on termine ça parce que... Oh. Ah, c'est pas beau, maman. Oh là là. Ah, il me donne des sous parce que je l'ai déjà eu en fait. Ok, très bien. Bon, ça va, c'est bien. Oh là là. Bon bah voilà, j'ai plus de pack, j'ai tout ouvert
et puis en gros c'est tout. Donc je voulais vraiment vous présenter un petit peu ce qu'est l'Alpha Pack, etc. Juste pour vous montrer un petit peu sous quelle forme ça se présente, qu'est-ce que c'est, revenir un petit peu vers vous. J'ai pas encore vraiment à proprement dire joué sur le PTS, c'est pour ça que vous pouvez voir, je suis niveau 0. De toute façon sur le PTS, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que faire de la casual. Mais je vais aller essayer ça et je vais vous record un petit peu le tout pour effectivement débriefer avec vous en live. Déjà ça vous fera un petit peu la peau du requin. Dans la peau du requin, je le ferai en casual. Je ferai peut-être une série là de 2 ou 3 casuals. Et vous dire un petit peu en live avec la facecam si les serveurs sont bien ou pas. Qu'est-ce que c'est? Comment c'est? Est-ce que la nouvelle Xbox? Évidemment, wait, la nouvelle Xbox est vraiment pas mal, disque dur de ouf et tout. Non, c'est si la nouvelle Xbox est vraiment bien ou pas, si ça touche mieux, comment sont les serveurs. Donc voilà, tout est là un petit peu pour mieux essayer. D'ailleurs, je peux d'ailleurs vous montrer les nouveaux menus. Quand vous lancez en casu, effectivement, vous pouvez par exemple aller dans les opérateurs, faire quelque chose. Vous pouvez faire plein de choses. Le nouveau display de la fiche d'opérateur a changé. Vous pouvez voir, classé, attaquant, défenseur. Cette fois-ci, c'est par colonne et non plus par ligne. Donc maintenant, c'est classé verticalement, plus horizontalement. Donc c'est vraiment pas mal. Après, voilà, le management et customisation, c'est resté pareil. Donc bon... Bon écoutez les amis, on va pas rallonger cette vidéo, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est les Alpha Pack, vous expliquer, l'initiative était noble, et si jamais vous avez kiffé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, au moins vous voyez ce que c'est, vous savez ce que c'est, maintenant, vous l'avez fait avec le requin. Les amis, je vous dis à tout de suite, je vais encoder, je vais publier cette vidéo, je vais recorder 2 ou 3 casus sur le TTS, je sais pas si je le ferai avec du monde ou pas, mais je vous ferai un petit peu dans la peau du requin, comme si c'était dans la peau du requin, et puis c'est tout, pourquoi tu cherches à rallonger la vidéo? C'est sûrement pour la YouTube Money. Mais la YouTube Money, il y en a plus, puisque toutes les grosses marques publicitaires se sont retirées du YouTube Game. White. I don't know, man. Mais j'arrête là. Ciao.